Ça y est, le compte à rebours est lancé. Il ne vous reste que 8 jours pour faire de la place avant les fêtes de fin d'année. Bienvenue dans votre Fitness Masterclass. Alors, c'est une séance assez dynamique. Donc, on démarre par un échauffement dynamique très important. Pour cette séance, vous avez besoin de chaussures avec amorti à l'avant et à l'arrière du pied, type chaussures de running, pas trop vieilles, à peu près vieilles de moins de 18 mois. Tout de suite, on part en step out à droite et à gauche. Posez bien vos talons dans le sol. Engagez la sangle abdominale. C'est ça. Amenez les bras en haut. Hop. Allez, on échauffe les épaules. Serrez la sangle abdominale. Redressez-vous. Je change en cercle. Dans 4, 3, 2, cercle de bras par le bas. C'est ça. Allez, pliez un petit peu plus vos genoux au milieu. Yes. Allez, on engage un petit peu plus le cardio. Je mets double bras. Dans 4, 3, 2, deux bras en même temps ici. Hop. Et hop. Allez, assez rapide. Commencez à respirer. Gardez toujours vos talons en contact avec le sol. Yes. Ça va ça? Dans 4, 3, 2, je lâche les bras et talons fesses alternés. Ça va ça? Allez, descendez un petit peu plus bas. Serrez la sangle abdominale. Grandissez-vous. Yes. Double talon, 2 et 2, à la coordination, 2 et 2, c'est ça, encore 4 fois comme ça, et puis je passerai en alterné genou maintenant, devant, sans trop monter votre genou, juste à la hauteur de la hanche, ça suffit, en revanche, montez-moi vos bras, tendez-moi vos coudes, et double genou, 2, hop, yes. Allez, là on est rentré dans le corps de séance. Gardez toujours votre buste bien droit. Ouais, ne penchez pas en avant. Vous allez vous faire mal au dos. Là, moi, je vous demande de contracter les cuisses, les fessiers, les abdos. Toujours comme ça, 2. Encore 2 fois. Et je passe en 4-4. C'est parti, 4 fois 4. 3, restez avec moi, échange, 4, 3, 2, change, et 4, 3, 2, yes, et baissez un petit peu plus bas, poussez les fesses sur l'arrière, 4, 3, 2, change, et essayez d'aller un petit peu plus loin sur le côté, hop, voilà, léger déséquilibre, engagez l'intérieur des cuisses, 4, 3, 2, yes, J-8 avant les fêtes, on dépense de l'énergie, on fait une diminution de la balance énergétique pour avoir les droits de se lâcher après, pendant les fêtes, toujours 4, 3, 2, change, yes, pousse les fesses sur l'arrière, encore 4 fois, courage, 4, 3, 2, et change, yes, les deux dernières, toujours talons bien dans le sol. Et lâche, marchez un peu. Allez, on continue. Vous avez besoin d'un tapis pour cette deuxième partie de séance. Ouh, si vous avez encore des palpitations suite à l'exercice d'avant, likez la vidéo. On y va? On passe en planche. Donc, les mains juste en dessous des épaules. Ensuite, vous alignez genoux, bassin, épaules. Ouais. Vous crochetez le sol avec les pieds et vous passez en planche. Restez avec moi, on n'en a pas pour longtemps. 3, 2, 1 et tout de suite, poussez les fessiers loin vers l'arrière. Descendez le genou à 5 cm du sol. 3, 2, 1 et remonte, planche. 3, 2, 1 et pousse. 3, il y en a 5 fois la grenouille. Inspire et souffle. 3, 2, 1. 1, allez, pensez à votre repas des fêtes, on est là pour ça, courage, encore 2, 3, 2, 1, et planche, tiens bon, respire, et une dernière, 3, 2, 1, et reviens planche, 3,
2, 1. Ok, remontez. Et on remonte pour la suite. Ouh, vous avez aimé la grenouille? On va le refaire encore 2 fois. Et si ça vous fait plaisir, faites un petit commentaire. Allez, on continue. Les squats en très large. J'ai choisi exprès pour vous des mouvements vraiment qui sollicitent beaucoup de muscles en même temps. Voilà, de gros groupes musculaires avec la grenouille, avec le squat qui travaille en même temps. Restez là, ici, regardez. En haut, essouffle. En haut, voilà, les bras là. C'est pour faire travailler un petit peu plus fort le cœur, pour muscler un petit peu plus de muscles, tout ça en même temps. Pour faire une grosse dépense énergétique qui va vous donner le droit de bien vous lâcher dans vos repas de fin d'année. Et inspire et souffle. Voilà, ça vous oblige aussi à garder le buste bien droit. Ouais. Gardez les mains dans votre champ de vision. Tendez-moi vos coudes. Gardez les coudes à hauteur d'épaule. Souffle. Inspire. Poussez sur vos talons. Gardez les orteils légèrement décollés. Yes. Si vous sentez les cuisses, les fessiers, les épaules, les abdos, c'est bien. On est là pour ça. Courage. Yes. Wouhou. Utilisez les fessiers pour remonter. Plus vous décidez d'utiliser les fessiers, plus vous travaillez. Ah, il est bon ce squat. Yes. Encore, courage. Encore 4. Hop. 3. 2. Yes, qu'est-ce qu'on a ensuite? La grenouille, c'est parti. Allez, je vous montre 2 options. L'option plus difficile, vous la connaissez, on vient de la faire tout à l'heure. Et on passe en planche si c'est trop dur. Ici, genou, descend et ramène. Descend et ramène. Voilà, ça c'est l'option plus facile. Si vous pouvez, encore 3 grenouilles comme ça. Souffle, inspire, choisissez vos options. Soufflez, l'important c'est de ne pas s'arrêter. Il y a toujours quelque chose en fonction de son niveau. Descend, inspire. La dernière, tiens bon. 4, 3, 2, 1. Relâche. Et passez en position assise. Et puis enroulez votre dos. Les mains en direction du plafond. Surtout pour ne pas s'agripper ici sur les doigts. Descendez les épaules loin des oreilles. Poussez sur vos talons. Décollez vos orteils. Et montez. Genoux, bassin, épaules alignés. Ouais, ça va ça. Basculez les poids du corps sur jambe droite, décollez jambe gauche et cercle vers l'intérieur. Il y en a 8, 7, 6, 5, courage, 3, 2, 1 et vers l'extérieur, 8. Ouais, super mouvement pour les fessiers, pour la sangle abdominale, pour l'arrière des cuisses. 2, 1, fléchissez. Remontez, replacez-vous, genoux, bassin, épaules, montez plus haut. Et on y va. 8, 3, 7, 6, courage. 4, 3, 2, gardez les hanches face au plafond. Et de l'autre côté, 8, 7, 6, courage. 3, vous y êtes. Hop. Repose, vertèbre après vertèbre. Donc on repart sur l'avant pour une dernière série de grenouilles. Il n'y en a que 5. Donc allez-y à fond, c'est votre dernière chance de J-8 avant les fêtes. Sinon, il y a toujours l'option à genoux. Mais au moins, essayez-en quelques-unes. Allez, on part en planche. 3, 2, 1. Essouffle, pousse loin, vitesse sur l'arrière. Genoux à 2 cm du sol. 3, 2, 1. Et 2, 1. Et repart. 2, allez, encore 3. Courage. Ne vous arrêtez pas de respirer. 1 et yes, j'adore ce mouvement, hyper dynamique. Super bien pour le dos, super bien pour les abdos. La dernière. Allez, à fond, on y va. 3, 2, 1, c'est bien.
Et relâchez, asseyez-vous sur vos talons, tirez loin les mains, détendez votre dos. Restez avec moi pour le retour au calme. Ici, on va détendre l'avant des cuisses en passant sur l'arrière. Détendez vos épaules. Ouvrez un petit peu vos pieds. Voilà, vous descendez en fonction de vos possibilités. Détendez les mâchoires. Détendez les sourcils. Relâchez volontairement les muscles de l'avant des cuisses. Passez sur l'avant. En position assise. Ici, on va ouvrir les adducteurs qu'on a pas mal travaillé dans nos squats ouverts. Ici, restez bien droit. Utilisez les mains. Et voilà, tout simplement, avec les mains, vous poussez votre buste vers l'avant. De façon à ce qu'il reste bien droit. Et là, vous allez sentir très vite, oui, les adducteurs qui tirent. Ça fait du bien. Allez pas trop loin. Si ça tremble, c'est que vous allez trop loin. Alors, refermez un petit peu vos jambes. On n'est pas là pour s'assouplir, pour se déchirer les muscles, les assouplissements. On est juste là pour un léger retour au calme. Bien, relâchez. Déroulez votre dos. Pour refermer vos jambes en toute sécurité. J-8 avant les fêtes, c'est fait, on y est presque. Alors, pour vraiment profiter de cet entraînement, je vous conseille de le faire tous les jours jusqu'à Noël, pour vraiment profiter de vos repas de fin d'année. Sinon, tous les deux jours, c'est déjà pas mal, et bien sûr, accompagné de beaucoup d'eau. Quant à moi, je vous retrouve deux fois par semaine. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir une fitness masterclass régulièrement. J'en profite pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Faites-vous plaisir, allez-y, amusez-vous. Moi, je serai là pour vous récupérer en janvier. Allez, salut! Moi, je glisse, c'est pas du tout bien. Hop, hop, hop! Stop! Cheval! Joli jumper. Ça fait non, j'aime pas. Ok. Faire une 10 minutes. Faire comment? Une balance de calories négative. Ouais. Je vous conseille de faire cet exercice. Quant à moi, je vous retrouve toutes les deux. Non. Toutes les deux fois plaisir. Ok. Faites-vous plaisir, faites-vous plaisir.